Isa en maternelle présente Une petite sœur pour Corentin de Aline de Pétigny. C'était un joli jour de printemps. Le soleil brillait dans le ciel. Les pissenlits faisaient des taches jaunes dans l'herbe et Corentin jouait avec son tricycle. Corentin, viens vite ! Appela maman. Le petit lapin laissa son tricycle et courut vers la maison. Corentin, Annabelle, dit papa en prenant le petit lapin sur ses genoux. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. J'ai fait une bêtise ? Demanda Corentin inquiet. Mais non ! Fit maman en riant. Dans quelques mois, vous aurez un petit frère ou une petite sœur, annonça papa, tout heureux. Super ! S'écria Annabelle. Comment on va l'appeler ? J'aimerais bien Lula si c'est une fille et Célestin si c'est un garçon. Je pourrais lui donner le biberon et le bercer ? Corentin, mon chéri, fit maman. Tu ne dis rien. Tu n'es pas content ? Si, si. Murmura Corentin. Je peux aller jouer maintenant ? Et hop, le petit lapin courut vers le jardin. Laissant de côté son tricycle, il s'assit sur la balançoire et se mit à réfléchir. Maman vint le rejoindre et s'assit sur l'autre balançoire. Alors, mon lapinou, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle ? Je sais pas si je suis content. Yvan m'a dit que sa petite sœur faisait plein de bêtises et lui cassait ses jouets. Un petit frère ou une petite sœur, ça peut pleurer ou faire des bêtises. Mais tu peux aussi jouer avec lui ou lui apprendre plein de choses. Ah bon ? Fit Corentin étonné. Bien sûr, si tu as un petit frère ou une petite sœur, toi, tu deviens un grand frère. C'est vrai ça ! S'exclama Corentin tout heureux. Je vais devenir un grand frère. Ça c'est chouette alors ! Les semaines passèrent et petit à petit, le ventre de maman s'arrondissait. Corentin était de plus en plus inquiet. « Que se passe-t-il, mon amour ?» demanda maman un soir au moment du câlin. « Tu ne parles plus, tu ne rigoles plus. Tu as même refusé d'aller à la piscine avec Louis. » Corentin regarda sa maman et fondit en larmes. « T'arrête pas de grossir. Peut-être que t'es malade ou que tu vas éclater. » « Mais non, mon amour, c'est le bébé qui est dans mon ventre et qui prend un peu de place. Quand j'étais enceinte de toi, c'était pareil. »« Ah bon ?» fit Corentin étonné. « Moi aussi, j'étais dans ton ventre ?»« Bien sûr, mon petit. » Et quand le bébé sort du ventre, il a besoin d'une belle chambre avec un joli petit lit. De beaux vêtements bien chauds et, bien sûr, de beaucoup, beaucoup d'amour. C'est pour ça que papa retapisse le bureau et que tu repeins le petit lit en bois ? Demanda Corentin timidement. Est-ce que je l'aimerais ? Demanda Corentin un peu inquiet. Mais oui, mon amour, dès que tu le verras, tu l'aimeras. « Je sais ce que je vais préparer !» dit Corentin soudain en souriant. « Je vais lui préparer son coffre à jouets !» Et ainsi fut fait. Les semaines passèrent et un soir, Corentin et Annabelle virent Mamie qui les attendait à la porte de l'école. « Où est maman ?» demanda Corentin étonné. « Pourquoi elle n'est pas venue nous chercher ?» « Ta maman est à la clinique, » dit Mamie. « Votre petite sœur est née. C'est vrai ?» s'écrièrent Annabelle et Corentin. Une heure plus tard, Corentin, Annabelle et Mamie arrivèrent à la clinique. « Chut ! Ne faites pas de bruit !»
dit maman quand elle les aperçut. Lula dort. Qu'elle est mignonne, dit mamie. Qu'elle est jolie, murmura Annabelle. C'est le plus beau bébé, fit papa. Viens la voir, mon Corentin adoré, fit maman en lui tendant les bras. Elle lui fit un gros bisou sur la joue, puis sur le nez. Le lapin s'approcha du berceau. Lula ouvrit les yeux et lui fit un doux sourire. Dès qu'il la vit, il l'aima de tout son cœur et toutes ses peurs, ses inquiétudes s'envolèrent. « Tu avais raison, » chuchota-t-il à l'oreille de maman. « Bonjour, je suis Corentin, » murmura le petit lapin à Lula et il ajouta fièrement. « Je suis ton grand frère. » Mon histoire est terminée.